السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات ثاني علوم رياضية، مرحبا بكم من جديد سيرا على المقاربة اللي صوبنا بها درس الحسابيات. نبتدئ إن شاء الله المرحلة الأولى ديال ستريكتور الجبريك. نحن كون ديما بابي كخيون و نسي دو فير لي زيكزيرسيس و كور و فيغ ا ميزور باش كنبنيو مجموعين، كنحاولوا نبنيو مجموعين هاد الدرس هذا. إذا على بركة الله نبدا بلوا دو كومبوزيسيون انترن، دونك سوا او ان انسومبل كي نون في دونك اون لوا دو كومبوزيسيون انترن سي تو سامبلومون اون غادي تكون اون ابليكاسيون دو او كخوا او فيغ او. Toute application qui au couple XY, donc en général une loi, on va la noter par étoile, T, en T, T, etc. etc. Disons que j'ai fait ici le choix de étoile. Alors, toute application du type étoile, que là, ici, j'ai noté étoile. De E croix E qui envoie vers E sera dite et dite loi L de composition interne. Qanoun tarkib dakhili. Bien. Notez bien qu'il convient de la notation de l'idée étoile. Ça peut changer. Bien sûr, on pourra la noter aussi. Notation, on peut la noter T, on peut T, T, delta, etc. etc. On peut faire varier les notations. Donc, afin de cibler, je n'ai pas de dans ce point de vue, je n'ai pas de dans ce point de vue, je n'ai pas de dans ce point de vue, je n'ai pas de dans ce point de vue. Je n'ai pas de dans ce point de vue. Je n'ai pas de dans ce point de vue. Mais, en général, le baccalauréat, vous aurez à étudier les ensembles suivants. Soit N, Z, Q, R, C, ou là, une partie R+, ou là, R étoile, ou là, C étoile, etc. etc. L'ensemble de quotients, les mots, les chouna, les Z sur NZ. Ou bien sûr, là, vous pouvez déjà noter que si je considère les plus, les canarfons, plus, mais multiplié, sans un, à quand je suis sûr que ici, là, ce sont des lois de composition interne. Donc, باش نجمعوا بزاف ديال الحوايج في مثال نموذج واحد زائد الضرب اللي كنعرفوا سون دي لوا دو كومبوزيسيون انترن دون شاكان دي زونسومبل ايزويال اللي كنعرفوا من ان زاد كيو اكسيترا اكسيترا. À l'aide d'un exemple, il serait aussi en mathématiques intéressant d'aborder les contre-exemples. Alors, contre-exemple, alors j'espère d'abord que vous réfléchissez avec moi sur de citer quelques lois, quelques opérations qui ne vont pas yani, définir des lois de composition interne. Maintenant, il a dit, alors là, E a dit ça égale à N. Bien sûr, vous allez me dire, nous avons vu que plus et multiplié sont des lois internes, parce que la somme et le produit des entiers naturels est un entier naturel. Alors que la différence ne sera pas une loi de composition interne dans N. Donc, dans l'ensemble, dans E égale à N, là, l'opération moins n'est pas une loi de composition interne. N'est pas une loi de composition interne. Bien. Alors là, un des ensembles que je vais essayer donc de définir maintenant, ça serait la base de beaucoup de choses. Donc, essayons de bien comprendre. Alors, pour le Z sur NZ, on avait défini deux nouvelles lois. Si vous vous rappelez bien, l'ensemble, c'est rien autre que classe de 0, classe de 1, classe, etc., classe de N-1. Et là, je vous rappelais que classe d'un élément A, dans ce sens-là, tout simplement, c'est A plus l'ensemble NZ. Yani, c'est l'ensemble des éléments qui sont congrus à A modulo N. Donc, et que dans cet ensemble-là, nous avons deux lois. Plus et une loi multipliée.
que nous avons alors deux lois, que nous avons deux opérations qui étaient définies de la manière suivante. Si je prends classe de A, remplaçant par classe plus classe de B, nous l'avons défini comme étant c'est A plus B de sous-classe. Et nous avons dit maintenant il faut vérifier que, que cette opération il est bien définie, donc il y a compatibilité et tout. Ensuite, il y avait la multiplication qui avait été définie aussi de la manière suivante. Donc c'est A fois B, le tout classe. Alors on vérifie bien que, ces deux lois donc, donnent la structure de loi de composition interne à cet ensemble-là. Je passe à un deuxième exemple qu'il est nécessaire aussi d'étudier. Rn de x. Rn de x reconnaît l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Donc ça, c'est l'ensemble des p polynômes à coefficient dans R, vous voyez là, dans R, ça peut différer. Donc, je peux mettre Qn de x, ça devient dans Q. Donc, polynôme à coefficient dans R tel que, donc à coefficient dans R, mais de plus qui ont le degré de p inférieur ou égal à n. Bien sûr, ça serait donc la forme d'un point de degré n. Inférieur ou égal à n, vous connaissez. Donc c'est A0 plus A1x plus etc. etc. jusqu'à AN moins 1xn. Bien. Alors, cet ensemble-là aussi, nous aurons cette année à étudier l'ensemble des matrices. En général, si je veux commencer par les matrices carrées d'ordre 2, les objets, ça sera donc tout simplement des tableaux de la forme A, B, C, D. Alors là, c'est une matrice carrée. C'est 2, 2. Donc, on a deux lignes, on a deux colonnes, on a quatre éléments. Donc, dans cet espace-là, on va définir aussi une somme. Donc, la somme des matrices et le produit de deux matrices carrées d'ordre 2. Donc, je rappelle, donc là, si je prends donc les deux éléments suivants, C, D, et puis A', B', C', D', je fais la somme des deux matrices. Là, vous pouvez deviner qu'est-ce que cela peut convenir comme somme. On va donc ajouter terme à terme. Donc là, donc c'est celle-là avec celle-là, donc c'est A plus A', B plus B'. Et là, C plus C', D plus D'. On définit de la même manière, si vous voulez, donc le produit. Donc c'est A, B, C, D, multiplié par A', B', C', D'. Donc elle est égale, donc là, c'est seulement question de temps que vous allez maîtriser ça. Donc regardez. Je multiplie, si vous voulez, chaque ligne par chaque colonne. Et je fais l'addition. Regardez-moi. Donc, ça va devenir AA' plus B plus BC'. Plus BC'. Ça nous fait la première composante ici. Pour la 2. Pour la 2, je refais le même raisonnement. Je prends toujours celle-là pour finir. Et je prends la colonne ici. Donc là, c'est juste une manière de définir ce produit-là. Je refais le même algorithme. Donc AB'. AB' plus BD'. Là, finalement, je refais la même chose. Donc ça va me donner donc CA'. J'espère que vous avez saisi dans la tête l'algorithme. Plus DC'. Et là, finalement, ça va vous faire CB'. CB' plus DD'. Voilà donc un deuxième ensemble important dans lequel nous venons de définir deux lois de composition interne qui va doter cet ensemble même de beaucoup de propriétés qui sont intéressantes. Maintenant, j'ai dit que vous avez une matrice, de une matrice carrée d'ordre 2. Vous aurez aussi le programme à étudier le type
deux matrices, d'ordre 3, c'est-à-dire qui sont de la forme, donc A, B, C, A', B', C', A seconde, B seconde, C seconde. Voilà, donc c'est une matrice carrée d'ordre 3. On refait de la même manière la somme. La somme, il est simple à concevoir du premier coup. Le produit de la même manière. Donc j'aurai donc une ligne ici, j'aurai trois colonnes. Donc je fais le produit de cette manière-là. Ensuite, je passe à la deuxième colonne, etc., etc. Donc, chers élèves, je vous laisse maintenant le soin de refaire ces calculs, pas à pas. Il faut faire un exemple, deux exemples, quatre exemples, pour bien se forger l'idée. Alors ensuite, nous aurons comme ensemble important, ça serait l'ensemble des fonctions, voire des applications de E vers F. Cet ensemble-là, je peux le noter parfois, F à la puissance E, c'est une notation. Pour dire, ce sont des applications qui vont de E vers F. En particulier lorsque vous aurez donc la notation, là, R à la puissance N, comme ça, ça serait donc là. Est-ce que vous avez reconnu cet ensemble? Regardez, maintenant mon ensemble, c'est N ou une partie de N. Donc c'est l'ensemble des suites réelles. Suites, ensemble, des suites réelles. Ensemble des suites réelles. Je peux même définir, voilà donc là. Et ensuite, là, le fameux ensemble de parties de E, qui sera aussi là un rôle à jouer, et dans lequel on va y mettre donc des lois de composition interne de type inter, vous connaissez, là vous l'avez fait en première année sciences mathématiques, la réunion, la différence symétrique, delta, etc., etc., etc. Donc, voilà donc comme introduction ce que nous pouvons dire sur une loi de composition interne et sur les ensembles susceptibles d'être étudiés durant ce chapitre-là. Il y aurait bien sûr d'autres ensembles aussi intéressants, on va les faire au fur et à mesure. Bien là, donc, à vous deux. Alors, voici quelques exemples maintenant. Si je prends la loi PGCD et le PPCM, vous savez bien que le PGCD et le PPCM sont des entiers naturels qui sont positifs. Cela m'empêche de dire que ces deux lois-là, que ces deux opérations, pardon, forment des lois de composition interne dans Z, puisque N là, il est inclus dans Z. Un deuxième exemple, si je prends l'intersection et la réunion, ce sont deux lois de composition interne sur l'ensemble des parties de E. Voyons maintenant, je veux définir qu'est-ce qu'une partie stable par une loi de composition interne. Donnons soit un ensemble E, soit E un ensemble, soit E un ensemble. Un ensemble muni d'une loi de composition interne, disons étoile. Alors, il va être noté dans la suite, c'est le couple E étoile. Donc ça, c'est l'ensemble E muni d'une loi de composition interne étoile. Soit F, un sous-ensemble de E, il peut être strict, comme il peut être ceci lui-même, donc ceci n'est rien. Alors, donc soit F, un ensemble inclus dans E. Nous dirons que F est stable par étoile si chaque fois que je prends XY dans F, c'est si vous voulez, donc pour tout XY dans F au carré, on a X étoile Y. Il n'appartient pas forcément à F, il est dans E. Mais dans le cas où il est dans F, alors nous disons que cet ensemble-là est stable. Exemple. Alors exemple. Prenons deux exemples pour faire varier. Prenons l'ensemble des M matrices M2 de R.
Ça, nous l'avons défini dans l'introduction, c'est l'ensemble A, B, C, D, sachant que A, B, C, D sont des éléments de R. Voilà donc c'est mon ensemble là. Alors maintenant, prenons F, qui sera l'ensemble suivant. F, ça serait, à titre d'exemple, je prends alpha 1 et je prends là des 0, sachant que alpha, c'est un élément de R. Vous voyez bien que cet ensemble-là, il est inclus dans M2 de R. Donc on a bien F est une sous-partie de M2 de R. Alors, petit exercice 1, montrons que F est stable. Mais il faut définir par rapport à quelle loi ? Est stable par la loi multipliée. La loi multipliée, c'est une loi dans l'ensemble des matrices carrées. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a à vérifier ? On va prendre deux éléments de F, soit le premier. Le premier, c'est ça, alpha 0, 0, 1. Soit le deuxième. Le deuxième, il serait de la forme quelque chose là. Un alpha, donc c'est pas forcément le même. Hein? Donc je vais prendre bêta 0, 0, 1. Voilà donc deux éléments qui sont dans F. Et je vais calculer leur produit. Alors là, c'est multiplié. Égal, la manière avec laquelle nous avons défini le produit, première ligne, première colonne, ça va me faire alpha, bêta. Première ligne, deuxième colonne, ça va me faire 0, 0. La première ligne 0, 0 et là 0, 0, 1, 1. Vous voyez bien que j'ai obtenu un élément qui appartient à F. C'est pour cette raison que F elle est stable par la multiplication. Deuxième exemple. Voici l'exemple 2. C'est encore un sous-ensemble de M2 de R. C'est l'ensemble des matrices de la forme AB moins B, A moins B. Notez bien avec la condition que ces éléments-là, ils sont donc, d'accord? Ça reste un sous-ensemble de M2 de R, puisque Q, il est inclus dans R. Alors, petite question à vérifier, je vous laisse faire, montrer que cet ensemble-là est stable pour l'addition des matrices. Donc, vous allez prendre, comme nous l'avons fait précédemment, deux éléments. Soit le premier élément, donc, il va s'écrire sous sa forme, avec A et B dans Q. Soit le deuxième élément, avec etc., A', B', dans Q. Vérifions ça. Et vous faites la somme. Et vérifiez que la forme que vous allez obtenir, il obéit à cette loi-là, qui régit les éléments de cet ensemble-là. Voilà. Alors, maintenant, la 3. 3, ça sera réservé aux propriétés des lois de composition interne. Propriété d'une loi de composition interne. Donc, bien sûr, là, vous pouvez voir, tout le monde sait que l'addition et la multiplication dans N, R, Z, C, tout ce que vous voulez, satisfont à cette loi-là, X plus Y, égal Y plus X. Même le produit, x fois y égale y fois x. Alors, puisqu'en mathématiques, on a tendance à généraliser des faits que nous connaissons dans des ensembles standards, nous allons donc dire qu'une loi est commutative, telle qu'il a été ici. Alors, une loi de composition interne étoile est commutative, si quoi? Si... Alors, bien sûr, là, je vais dire au départ, soit E étoile, un ensemble menu d'une loi étoile. Alors, un ensemble muni d'une loi de composition interne. Donc, je dis que cette loi est commutative sur E, si, et seulement si vous voulez, là, c'est une définition, si seulement si, pour tout élément x, y dans E, croix E, là, si je ne fais pas de parenthèse, je vais l'écrire comme ça. Si encore vous voulez écrire de la manière d'un produit cartésien, vous pouvez aussi. Si chaque fois que je prends n'importe quel élément de E croix E, alors on a
x étoile y égale y étoile x. Je définis de la même manière qu'est-ce qu'une loi associative. Donc là, c'est une loi, alors là, petit a, commutativité. Petit b, étoile sera dite, sera associative, associative, si et seulement si, chaque fois que je prends trois éléments x, y, z dans E, alors x étoile y, alors dans cet ordre-là, étoile z, c'est la même chose que x étoile y étoile z, c'est-à-dire l'ordre-là n'est pas important. Petit c, je vais dire que cette loi admet un élément neutre, comme le cas de plus. Plus dans plus, vous savez que 0, c'est l'élément neutre. Pourquoi? Parce que chaque fois j'ai x plus 0 égale 0 plus x égale à x. Comme 1 pour la multiplication. J'ai chaque fois 1 fois x égale x fois 1 égale à x. On va généraliser. Donc je dirais que étoile, la loi étoile admet E. Je vais, en général, on va monter E. E comme élément. Alors le E là, c'est un élément bien sûr de mon ensemble. E dans E comme élément neutre, comme élément neutre, si et seulement si j'ai x étoile E égale E étoile x égale à x. Et finalement, je vais aussi définir de manière générale qu'est-ce que le symétrique d'un élément. Donc je ne vais pas répéter parce que vous savez que l'opposé d'un élément, si je fais la somme, j'obtiens 0. L'inverse d'un élément non nul, si je fais le produit, j'obtiens 1. Donc je dirais que x' est dit symétrique, le moment est symétrique de x. Alors là, bien sûr, le x' il doit être un élément de E. Si et seulement si j'ai x étoile x' égale x' étoile x égale mon élément neutre. Donc, chers élèves, déjà avec ce minimum de bagage qu'on a essayé donc de résumer au maximum possible, on peut maintenant faire des exercices. C'est l'objet de la troisième partie. On est maintenant à la fin de cette séquence-là, de la première séquence, avec des applications. Là, le symbole, s'il vous plaît, pour vous dire une chose. Certainement, on ne peut pas faire de mathématiques sans erreur. Donc, il faut avoir le côté positif de faire beaucoup de travail, faire beaucoup d'erreurs, c'est pas grave, tant qu'on est en train de se former. Donc, tant mieux qu'on fasse des erreurs au cours de l'apprentissage. Le jour, l'examen, Inch'Allah, on aura acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de... Voilà, donc, ça, c'est le conseil d'aujourd'hui. Donc, je travaille, pas de complexe, si je fasse une erreur ou deux, non, ça ne doit pas m'interrompre derrière, de chercher toujours à améliorer mon niveau de mathématiques. Bien, alors là, premier exercice, je me place dans le cas E égale l'ensemble N. Je vous définis cette opération-là. Peut-être... on aura peut-être une raison de dire 0 à la puissance 0, donc prenez, s'il vous plaît, comme ça on élimine ce cas-là, une étoile. Donc, je vous demande de vérifier que étoile est commutative, et je vous pose la question, est-elle associative? Alors là, la formulation est-elle associative? Il faut s'en douter, il faut, donc voilà. Bien, la question, l'exercice 2. Pour vous rappeler un petit peu la notion de bijection, d'injection, surjection que nous avons fait l'année dernière, voici l'exercice. Alors je vous propose F, là il est défini de N vers Z de cette manière-là, lisez bien les hypothèses, et elle est bijective. Je vous redonne encore une deuxième application G de N vers N. Vous voyez qu'il est bien défini puisque ce terme-là il est pair. Donc G est-elle injective, est-elle surjective? Le dernier exercice, je vais le placer dans le cas où E égale à R moins le singleton moins 1, et je définis cette loi-là. C'est la somme A plus B plus le produit. Alors, vérifiez que test une loi de composition interne sur cet ensemble-là, et puis, vérifiez que T est commutative et qu'il est associatif.
Et puis, deuxième question et dernière, montrez que T admet un élément neutre, bien sûr, que vous cherchez à expliciter. Donc, pour cette part-là, je dis que ça, c'est la fin. Donc, essayez de faire ça. Donc, j'espère que vous allez prendre un bon élan, un bon commencement pour attaquer ce chapitre qui sera un petit peu partagé dans d'autres séquences. À bientôt, madame.